Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Attendez, je mets en pause pour la vaisselle. Une vidéo, un petit haul, mais un vrai mini haul Action. Je vous explique. Je suis allée chez Action parce qu'en fait, il fallait des produits pour. Enfin, bref, des trucs pour mon mari, etc. Et du coup, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé. La troisième lanterne, mon mari, et donc il manque encore une de lanterne. Donc ça en fait déjà 3 sur 4. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Donc comme d'habitude, c'est Claude qui va la faire. 3-4 heures de montage, donc c'est coupé au laser, c'est niveau intermédiaire, mais quand même... Je parle du nez, je suis désolée, je suis malade depuis lundi. Je suis en vacances depuis lundi et je suis malade depuis lundi. C'est horrible. Et il a 125 pièces, voilà. Cette petite lanterne, donc comme d'hab, c'est pour les plus de 14 ans. Craft & Co, donc c'est la marque de Action. Voilà, donc je vous montre un peu comment ça se présente. Je vais vous ouvrir ça. C'est horrible d'être malade comme ça. Je vous assure que c'est quelque chose de fou. De toute façon, je suis en vacances, je suis malade. Hein. Donc j'ai passé 3 jours à Toulon malade. Ça ne m'a pas empêché d'aller me promener quand même. Voilà comment ça se présente. Donc c'est comme ceci, ce sont des petites plaques en bois, voilà, qui ont été découpées au laser. C'est plutôt sympa, et vous avez donc le système ici de lumière. Alors on va ouvrir ça, je reprends mon couteau. Oh, c'est horrible, j'ai le nez qui coule et tout. Au début, je me disais c'est à cause des allergies, mais en fait, c'est pas ça. J'ai vraiment attrapé froid ou j'en sais rien. Il faut dire qu'on a des temps où il fait super beau. Et puis, 5 minutes après, ben, il fait super froid. Ah, attendez, j'ai fait tomber. Ça. Forcément, bah, moi, je suis malade. En plus, la moindre crotte qu'il y a, c'est pour moi. Donc, je suis malade. Donc, ça va là. Ben, ça ira. Ça ira là, d'accord. Et j'ai une, donc 2, 3, 4, 5 plaques. 5 plaques comme ça. Alors, elle s'est numérotée, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le numéro, chaque pièce est numérotée, donc vous savez où vous devez les mettre et comment vous devez faire pour les installer. Ça, c'est vraiment très, très bien. Ensuite, vous avez le petit plan. Ah, c'est bien fait. Franchement, je dois dire que le manuel est vraiment très, très, très bien fait. Vous avez plusieurs langues, évidemment. Et le voici. Voilà. Je vous explique de A à Z comment faire cette magnifique lanterne. Donc, comme d'habitude, Claude la fera. Alors, peut-être pas là parce qu'on s'en va demain matin, de bonne heure. Donc, il la fera certainement... lundi, parce que lundi, lui, il ne travaille pas. Mais moi, je reprends le travail lundi. Et vous verrez lundi, quand je reprends le travail, je ne serai plus malade. Voilà. À l'intérieur, donc, vous avez ça, c'est pour poncer. Ça, c'est poubelle. Et normalement, il y avait un petit morceau. Moi, je ne l'ai pas. Pour pouvoir, en fait, faire glisser un petit peu les pièces. Il n'y a pas. Donc, c'est pas grave. Allez, je remets ça là-dedans. Hop. J'en mets la notice avec Claude et la notice. C'est au tarif de 4 dollars. 4 dollars. Je suis fatiguée. 4,99 €. Alors, je n'arrive pas à mettre la notice dans la boîte. On est mal. Hein. Voilà. 4,99 €. Du coup, il ne m'en manquera plus qu'une de lanterne. Voilà. Elle va être chouette, hein, celle-là. Parce que franchement, ça rend super bien. Deuxième produit que j'ai trouvé, c'est ceci. Alors, en fait, il n'y en avait qu'un, mais je pense qu'il y en a plusieurs. C'est les tampons. Tampons, et vous avez donc 12 tampons différents sur l'appareil. Voilà, avec de l'encre. Alors, comment ça s'ouvre, cette histoire? Je vais ouvrir ça à l'arrache. Je ne sais pas comment je vais ouvrir ça. À l'arrache. Et puis en plus, j'ai froid aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Ma paire de ciseaux, je prends une paire de ciseaux, je coupe. Et un peu vite.
récupère et tout arracher. L'encre qui est là, alors, on va l'ouvrir aussi. Voilà. Et donc vous avez ici ce système de roulette qui vous permet en fait de prendre ce que vous voulez au niveau du thème. D'accord? Là, c'est quoi ces petites étoiles? Oh, je fais ça à l'arrache. Hein. Je fais vraiment ça à l'arrache. Des étoiles qui sont sympas. J'en fous partout. Là, les cœurs, ils me plaisaient bien. Voilà, ça peut être super sympa, je pense, quand vous faites du scrap, machin, tout ça. Et du coup, moi, ça me plaisait bien, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Et pour laver, je pense que ça doit être quand même assez, assez facile à nettoyer. Voilà, voilà, c'était au tarif de 1 euro, non, de 99 centimes, si je ne me trompe pas. 99 centimes, ce tampon, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et donc, il y a 12 choses différentes inscrites. Vous pouvez faire des trucs vraiment sympas au niveau du scrap. Après, j'ai trouvé ceci, un album photo. Je suis dans les albums photo parce qu'en fait, je cherche un contenant, quelque chose pour que je puisse ranger en fait mes tampons. Mes tampons et j'ai trouvé ça. Alors, hop, ça fait des pochettes. Ça fait des pochettes, donc du coup, à l'intérieur, je peux mettre mes tampons. Je vous montrerai quand ce que j'utiliserai. Je mettrai donc tous mes tampons à l'intérieur, puis j'en ai quand même pas mal, donc je pense que c'est plutôt bien comme produit. Donc il y avait plusieurs designs différents, c'est au tarif de 1,49€ ce petit album, mais je trouve ça vraiment sympa. Et du coup je me dis là-dedans, eh ben, je peux ranger mes tampons. Et à la rigueur aussi, pourquoi pas en prendre pour ranger tout ce qui est stickers. Voilà, c'est sympa, 1,49€. Le petit album. Donc voilà pour ce haul, ce mini haul action qui aura duré 5 minutes. Ouais, voilà, j'en ai pas eu pour cher, vous voyez, 4,99€, 1,49€ et 99 centimes. Voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est encore action quoi. Et vous savez quoi, il faut encore que j'y retourne. Ouais, bah, à la semaine prochaine. Hein. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.